Il y a une autre truche là au bout. Il est comme un... Sauf que là, elle est sous les arbres et donc on voit pas bien sa tête. Allez, on descend. On descend. On continue. Oh, ils nous. Tout le monde va rentrer là. On continue la visite. Ah, il y en a. Ah, regarde, regarde, on a au moins une vingtaine. Oh, plus que ça. Ah, c'est ce que j'allais dire, à vue de nez. Peut-être une cinquantaine. Ah. En fait, c'est ce qu'ils ont en commun tous les deux, c'est que c'est des ondulés avec des coussinets sous les pattes. Ah oui, d'accord. Ah, ok. Et d'ailleurs, c'est que ce que le lama crache, en fait, c'est pas de la salive, mais c'est des restes. Je dirais qu'il s'apprête à donner un coup de là. Ah oui, sinon on pourrait. Bon, à travers le barreau, champion. Oui, trop mignon. On est tout seul, on a plein de monde. Bah, ils sont tous là-dedans. Ouais. Mais qu'il part là. Va voir les serpents. C'est pas un serpent, c'est une autoroute. Mon fils, il en avait des. Comme ça, il n'est pas que 2 mètres. Tiens, elle est là. Maintenant que grosso modo, les serpents, ça mange principalement des petits mammifères comme les lapins, les souris. La tortue, elle est cachée juste là sous les arbres, voilà à gauche. Après, on voit pas très bien. Les perroquets bleu, rouge, le classique quoi. C'est les pirates, y'a ça. C'est ça, ouais, c'est ça. Dans... Regarde par ici, regarde juste là. C'est un singe. Là, Eden, regarde ce qu'il fait le perroquet là derrière toi. T'as vu, il s'accroche à la grille avec son bec. Je l'ai eu. Oh, regarde, il y en a un troisième juste là sur le toit là. Je l'ai capturé.
Mais il manque la Pokéball. On dirait qu'il veut dormir. Hein. Tu as toute une libandelle de tortue jusque là. Dis bonjour à nos amis YouTube. Alors, on visite. Voilà, comment dire. Alors, en gros, on visite l'arche pour la toute première fois. Yes. Là, on a juste à côté de nous une cigogne. Tiens, il y a une tortue. Oui, il y a une tortue. Là devant, chèvre. C'est une biche. Non, c'est une chèvre. Ah ouais, alors là, c'est une autruche femelle. Un émeu, c'est de la même famille que les autruches. Oui, ton cousin, je crois. C'est ça, ouais. C'est comme les... Donc, bah, il est... Je me souviens qu'à une époque, il y en avait dans le zoo de Douai-la-Fontaine des émeus. Ça va, ça fait 3 ans. Ça y est, c'est lève. 2009, c'est bon. Ah, c'est écrit. Bah ouais, ça va, mon chien. Oui, pas mal. Bon, vas-y, tu me regardes. Il est là. Bonne nuit. Il se lève, il se lève. Je savais pas que c'était fini comme ça. Ah, peut-être que c'était des histoires de monstres. Un petit peu bonny. Tu es tout seul. En fait, c'est pas que tu es bien. Il a pas envie d'aller chercher les carottes. Non, il a la famille. Non, quand il a la famille. Non, plus de la femme. Tu dis quoi? Laissez-moi manger ma carotte. Il a beaucoup. Ah, t'as vu la bête? Il faudrait qu'il nous observe. On peut retourner en haut, je pense, maintenant. Oh, il y a un poulet, là. Ah ouais. Enfin, il lève son gros popotin. C'est un ours, c'est sacrément puissant, genre une fois... Il fait un bon coup de patte en travers de la gueule, il te décapite quoi. D'ailleurs, c'est qui gagne entre un gorille et un ours? Un ours? C'est l'ours qui gagne contre le gorille? Oui, je pense. Non, c'est le gorille. Pou, 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 pou. Ah, pardon. C'est ça. Si, une bonne journée à tous. Il doit être ours au brun. C'est ça. C'est trop mignon. À moins peut-être qu'il sait qu'il va peut-être recevoir à manger, non? Non, ça peut pas être ça.
Vas-y, je crois que madame elle s'apprête à aller nourrir. C'est un caracal. C'est presque de la même famille qu'un lynx en fait. Ouais, on voit, il y a des petits plumeaux sur les oreilles. Ça sert à rien de siffler, il va pas. Cerval. Il a bougé, il s'en fout, hein. Bon, à travers le barreau, champion. Il est trop mignon. Il est tout seul, il y en a qu'un. Non. Tu regardes d'un œil de côté, là. Et regarde, Dan, t'as vu comment il se déplace, le perroquet gris? Je sais pas pourquoi, mais sur la photo ça rend pas bien. C'est chouette, hein. Bon, il y a un lion là-bas, mais on le voit à peine. Non, mais je vais essayer aussi de le prendre en photo là. Le petit lion. Ah, il y en a qui saute. Il y a un volac. C'est énorme. C'est le genre de bestiaux qu'on croise régulièrement à la campagne en France. Oui, sur les poteaux. Et c'est ça, sur les poteaux. Oh, il s'est échappé de son enclos.